Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants et aux saints. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais quand exactement va-t-il arriver? Quand tu vois les nuages qui viennent par l'est, tu dis la pluie arrive. Et ainsi en est-il. Par contre, si le vent du désert se lève, tu dis il va faire chaud. Et ainsi en est-il. Chacun de vous sait lire les signes de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne sachiez pas lire les signes des temps, mes frères? Thank you.
notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal.